Ce sketch Internet comportait des plans manquants. Il a été complété par... Lui. Et moi. Mais pas elle. Relâche-le tout de suite, je te dis! Allez, déconne pas, putain! Et alors, il s'est passé quoi? Non mais attends, laisse-moi raconter. Oui, ok, pardon, vas-y. Bon, qu'est-ce que tu veux en échange? Et donc là, le mec leur demande, précisément, 133 433 euros, également répartis entre des billets de 50, 20, 10 et 5, avec deux pièces de 20 centimes. 133 434 euros? Non mais ça va pas ou quoi? Mais comment tu veux qu'ils trouvent ça? C'est exactement ce qu'ils ont dit. Non mais ça va pas ou quoi? Mais comment tu veux qu'on trouve ça? Autre chose! Et du coup, ils ont demandé quoi? Alors c'est là que ça a commencé à partir en couille. Ok, ça on a! Regarde, tu vois? Arachibu quoi? Arachibutyrophobie. C'est la phobie d'avoir du beurre de cacahuète collé au palais. Au palais? Mais pourquoi il leur a demandé ça? Mais attends, ça devient de plus en plus dingue. Arrête! Non, attends. Pourquoi il leur a demandé ça? Tu peux me laisser raconter, oui? Ok, vas-y. Arrête! Non mais franchement, c'est chelou, non? Putain! Ok, vas-y. Arrête! Parce que bon, de l'argent ou de la drogue, ça je peux comprendre, mais... Bon, t'as fini de m'interrompre là, merde! Ouais, ok, pardon, c'est juste que je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, mais... Vas-y, c'est bon, je t'interromps plus, vas-y. Bon. Arrête! Ah, j'ai rien dit, hein. 8! Attends, 8 quoi? Ah bah, fallait écouter, hein. Non, jamais! Jamais, t'auras pas la boîte en premier! Relâche-le d'abord! Bon, là du coup, il a relâché l'otage. Non, mais il leur a proposé un deal. Si jamais il lui filait la boîte, il leur refilait les prochains numéros gagnants du loto. Le con, comment il a pu penser que nos gars tomberaient dans le panneau? Bah... Non. Ok, cool. Putain, mais dans quoi est-ce qu'on s'est foutu? Attends, c'est pas fini. Maintenant, à toi, là! Bon, il leur a envoyé l'otage, au moins. Même pas. Alors, cerise sur le gâteau, il s'est mis à baragouiner un truc, personne n'a compris. Hein? Un flacon d'un fameux flan flamand flambé aux fraises et aux figues qui file un fulgurant mais furtif soubresaut? Mais pourquoi il dit ça, qu'elle s'en vient foutre, là? T'es con, s'il fallait pas lui donner la boîte. Bah ouais, mais t'as dit ok, cool. Bon, ça suffit, là. Allez, sois raisonnable. Tu le relâches, sinon on descend. Ah putain, les cons, laisse-moi deviner, ils ont flingué l'otage. Non. Le terroriste a buté l'otage? Non plus. Ils se sont entretués? Non, mais tu trouveras pas. L'otage a tué le terroriste? Perdu. Marcel a tué Bob? Non. Bob a tué Marcel? Un. L'otage t'a tué? Non, j'étais même pas là. Fantomas a tué Pamela Rose? Bravo. C'est vrai? Oui. Sérieux? Non. Alors quoi, ils se sont fait aider par des stars hollywoodiennes? Putain, comment t'as fait? Qu'est-ce qu'on fait? On tire? Do it! Oh, 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 oh. Hey, oh! Just do it! Ok. Très drôle. Mais en vrai, il s'est passé quoi? Bah... Ça va? Non. Ah bah, en même temps, il tirait comme des brutes sans même prendre la peine de viser. Tu voulais qu'il se passe quoi? Putain. On est vraiment dans la merde, là. Non mais attends, parce que c'est encore pas fini. Donc là, tu vois, plus personne pouvait répondre, tu vois. Réponds, sinon on te donne pas la boîte! Il a déjà la boîte. Ah, merde. On peut dire qu'il a relâché, là, le... Ouais, on peut voir ça comme ça. Donc on est bon. Ouais. Et du coup, je vais y aller, moi. Parce que j'ai rendez-vous derrière et... Ok. Ouais, je suis du pilote et si je fais la porte, je... Nom d'une galaxie. Et voilà. Quoi, c'est tout? Bah ouais. Non, attends. Tu viens de me parler d'une prise d'otage avec une demande de rançon complètement débile, de nos gars qui ont flingué le terroriste et l'otage, juste avant de s'exclamer « nom d'une galaxie !» Et c'est tout? Mais tu voulais que ça se termine comment? Bah, vu l'histoire, j'aurais même pas voulu que ça commence, en fait. Ouais. Ceci étant dit, faut qu'on y aille, l'avocat nous attend. Oui, c'est vrai. Engager des intérimaires pour ce job, c'était une idée à la con. Bah, écoute, on a joué, on a perdu, c'est un risque à prendre, voilà. Enfin, j'espère que la peine sera pas trop lourde, quoi. Je parierais pas vraiment là-dessus, hein. À mon avis, on va bien se faire défoncer. Non, c'est vrai, mais bon, au bout d'un moment, tu peux pas faire des choses comme ça et... Putain, les cons, laisse-moi deviner, ils ont flingué l'otage. Non. Le terroriste a buté l'otage? Non plus. Ils se sont entretués? Non, mais tu trouveras pas. L'otage a tué le terroriste? Perdu. Marcel a tué Bob? Non. Bob a tué Marcel? Un. L'otage t'a tué? Non, mais j'étais même pas là.
Fantomas a tué Pamela Rose. Bravo. C'est vrai? Oui. Sérieux? Non. Alors quoi, ils se sont fait aider par des stars hollywoodiennes? Putain, comment t'as fait? Qu'est-ce qu'on fait? On tire? Do it! Oh, hey, oh! Just do it! Ok. Très drôle. Mais en vrai, il s'est passé quoi? Bah. Ce sketch internet comportait des plans manquants. Il a été complété par... lui. Et moi. Mais pas elle. Relâche-le tout de suite, je te dis! Allez, déconne pas, putain! Et alors, il s'est passé quoi? Non mais attends, laisse-moi raconter. Oui, ok, pardon, vas-y. Bon, qu'est-ce que tu veux en échange? Et donc là, le mec leur demande précisément 133 433 euros, également répartis entre des billets de 50, 20, 10 et 5, avec deux pièces de 20 centimes. 133 434 euros? Non mais ça va pas ou quoi? Mais comment tu veux qu'ils trouvent ça? C'est exactement ce qu'ils ont dit. Non mais ça va pas ou quoi? Mais comment tu veux qu'on trouve ça? Autre chose! Et du coup, ils ont demandé quoi? Alors c'est là que ça a commencé à partir en couille. Ok, ça on a! Regarde, tu vois? Arachibu quoi? Arachibutyrophobie. C'est la phobie d'avoir du beurre de cacahuète collé au palais. Au palais? Mais pourquoi il leur a demandé ça? Mais attends, ça devient de plus en plus dingue. Hein. Arrête! Non, attends. Pourquoi il leur a demandé ça? Tu peux me laisser raconter, oui? Ok, vas-y. Arrête! Non mais franchement, c'est chelou, non? Putain! Ok, vas-y. Arrête! Parce que bon, de l'argent ou de la drogue, ça je peux comprendre, mais... Bon, t'as fini de m'interrompre là, merde! Ouais, ok, pardon, c'est juste que je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, mais... Vas-y, c'est bon, je t'interromps plus, vas-y. Bon. Arrête! Ah, j'ai rien dit, hein. 8! Attends, 8 quoi? Ah bah, fallait écouter, hein. Non, jamais! Jamais, t'auras pas la boîte en premier! Ça va? Non. Ah bah en même temps, ils tiraient comme des brutes sans même prendre la peine de viser. Tu voulais qu'il se passe quoi? Putain, on est vraiment dans la merde là. Non mais attends, parce que c'est encore pas fini. Donc là, tu vois, plus personne pouvait répondre, tu vois. Réponds sinon on te donne pas la boîte! Mais il a déjà la boîte. Ah merde. On peut dire qu'il a relâché là, le... Ouais, on peut voir ça comme ça. Donc on est bon. Ouais. Et du coup, je vais y aller moi. Parce que j'ai rendez-vous derrière et... Okay. Ouais. Je suis du pilote et si je fais la bourse, je... Nom d'une galaxie. Et voilà. Relâche-le d'abord! Bon, là du coup, il a relâché l'otage. Non, mais il leur a proposé un deal. Si jamais il lui filait la boîte, il leur refilait les prochains numéros gagnants du loto. Le con, comment il a pu penser que nos gars tomberaient dans le panneau? Bah... Non. Ok, cool. Putain, mais dans quoi est-ce qu'on s'est foutu? Attends, c'est pas fini. Maintenant à toi là! Bon, il leur a envoyé l'otage au moins. Même pas. Alors, cerise sur le gâteau, il s'est mis à baragouiner un truc, personne n'a compris. Hein? Un flacon d'un fameux flan flamand flambé aux fraises et aux figues qui file un fulgurant mais furtif soubresaut? Mais pourquoi il dit ça, qu'est-ce que ça vient foutre là? T'es con, s'il fallait pas lui donner la boîte. Bah ouais, mais t'as dit ok, cool. Bon, ça suffit là! Allez! Sois raisonnable! Tu le relâches sinon on descend!